Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Info Canine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat. Je vois ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on en parlera des réseaux sociaux. La cage. L'utilisation de la cage. Mais je vois ça, mais sur toutes les pages Facebook. Je voyais ça en consultation. Je vois ça recommandé par des dresseurs, hein, des dresseurs profession qui ne devraient plus exister depuis au moins le 19e siècle. Hein. La cage. Alors tu vois des « Ah, je comprends pas pourquoi mon chien retourne tout dans sa cage quand je m'absente et renverse son bol d'eau et déchire son alaise. Ah, pourquoi mon chien semble anxieux quand il n'y a plus la cage ?» En vacances, par exemple, dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas la cage, il est anxieux. Ou pourquoi mon chien ronge les barreaux de sa cage? Ou comment faire pour que mon chien s'habitue à aller tranquillement dans sa cage? Mais ces questions ne devraient même pas se poser. Chaque fois que moi je lis ça, je me dis, mais pourquoi votre chien est dans une cage déjà? Alors on va tordre le cou, on va le tordre, clac, comme ça, à toutes les idées moyenâgeuses sur les chiens. Ok? Alors, le chien, moi, les arguments que je vois le plus pro-cage, c'est « Ah ouais, mais quand le chien est chiot, c'est un endroit qui va le rassurer. Et donc, s'il pleure, eh ben, on le laisse dans la cage et il va apprendre la solitude. » Ouais, tu parles, Jean-Charles. Deux. Ah, mais arrêtez de dire toujours que mon chien il est dans une cage, c'est mauvais pour lui. Moi, mon chien, la porte de la cage, je vais même vous dire, elle est toujours ouverte. Et ça n'empêche pas mon chien d'y aller tous les soirs quand il veut dormir. Il adore ça. C'est sa zone de réconfort. Le truc de zone de réconfort, mais c'est du bullshit. Mais alors du bullshit, mais tellement boule et tellement shit que c'est des super bullshit power. Je vous explique. Le truc du chiot. Qu'il faut pas aller le réconforter, qu'il faut pas, le chien, il a fini sa période de sevrage, on l'arrache à sa famille. Hein. Le chien, au cas où vous l'avez oublié, est un animal hautement social et grégaire, hein, donc l'arracher à une famille alors qu'il y est attaché, ça crée un trauma. Hein. Et alors, la manière de le gérer, ce trauma, au 19e siècle et même au 20e siècle, quand en fait on n'en avait rien à péter de ce que pouvait ressentir un chien, c'était ben, oh, le chien ne doit pas déranger, il s'habituera à être tout seul et point barre. C'est pas ce qui se passe. Le chien, il va juste se rendre compte qu'en période de détresse émotionnelle, son référent, son propriétaire, il en a rien à kicker et il le laisse tout seul. Il va juste capter qu'il peut pas compter sur vous. C'est seulement ça que le chien va comprendre. Ok ? Deux. Au début, je devais faire entrer mon chien dans la cage. Après, maintenant, il s'y plaît. Voilà. Ça empêche mon chien de détruire, etc., etc. Un pansement sur une jambe de bois, vous connaissez l'expression? C'est-à-dire que ça sert à rien. Il faut traiter la raison. Si votre chien détruit en votre absence, il faut peut-être voir pourquoi votre chien détruit en votre absence. Parce que si vous le mettez en cage, premièrement, ça va lui créer pas mal de névroses, et ensuite, dès qu'il n'y aura pas de cage, le comportement de destruction va se reproduire, vu que vous n'aurez pas traité le problème. Vous aurez juste choisi la solution de facilité. Et les chiens qui retournent d'eux-mêmes dans leur cage. Mais c'est des chiens super névrosés. Ça veut dire qu'ils sont tellement au courant qu'ils ne peuvent rien attendre de leur maître que d'eux-mêmes, ils se prostrent, ils se recroquevillent dans leur coquille et par dépit, ils vont dans leur zone de confort. Mais la zone de confort au terme psychiatrique, hein, au terme psychologique. Hein. Les gens qui adorent être en dépression, les gens qui adorent... c'est parce qu'ils se sont enfermés dans ce qu'on appelle la zone de confort, donc c'est rien de positif. Hein. Donc ils vont dans cette cage par dépit. Et ils sont comme ça dans un environnement de névrose. Et ils y vont d'eux-mêmes parce que c'est un peu presque un stimulus, un rituel pavlovien. Le chien, il sait que ah, ben, s'il se passe ça, comme de toute façon on va rien faire pour moi, ben, je vais aller dans ma cage. Et je vais attendre que ça me passe. C'est des chiens dépressifs, c'est des chiens névrosés, c'est des chiens mal dans leur peau. Et alors qu'on vient de me dire sur les réseaux sociaux, ouais, mais mon chien, il a besoin d'un petit panier fermé, etc. C'est ça. Ça, c'est un panier fermé. Mais ça reste un panier, ça.
c'est confortable, c'est pas en métal. Et ça, effectivement, c'est comme une petite niche. Alors, tu vas me dire, ouais, mais bon, quand t'as un bulldog anglais ou un berger malinois de 26 kilos, ben, il y en a toutes les tailles, les gars. Hein. Moi, c'est parce que j'ai un chihuahua. Quand j'avais un staff, il en avait un à sa taille. Voilà. Et ça, c'est un panier fermé. Effectivement, s'il veut un petit peu s'isoler, et moi, pourquoi il y a ça? Bah, c'est s'il veut s'isoler du chat, par exemple, qui veut jouer, que lui veut être tranquille, ou de Vesta, enfin, ou vice-versa. Il y en a trois à la maison. Celui qui veut s'isoler, il s'isole. Mais c'est pas une cage, hein! C'est pas une cage. Et donc, votre excuse bidon, elle tient pas la route non plus. Puis, dites-vous bien cela. Prends l'exemple du malinois. Le chien est un super prédateur. Il estime que toute sa maison est son territoire. Il a par instinct la volonté de protéger son territoire. Donc en gros, pour ceux qui disent que la cage est le refuge, non, c'est votre maison son refuge, c'est son territoire. Oui, mais la cage c'est son espace à lui. Non, c'est votre maison son espace à lui. Un chien qui, pour se sentir tranquille, doit aller s'enfermer, s'isoler, se reclure dans une cage, c'est un chien qui a un grave problème psychologique. Et je voudrais que vous le compreniez, parce qu'en général, je vous adjure de comprendre que c'est vous qui créez ces problèmes de dépression chez vos animaux. C'est un petit peu comme quand on s'absente, quand on voit cette expérience qui était faite sur des chiens et des chats, enfin peu importe, mais vous pouvez taper dans le monde de Jamy sur YouTube, vous le verrez. Un chien, hein, lorsqu'on se sépare de lui, qu'on le laisse seul à la maison, un chien qui va aller gauche-droite, qui va renifler, qui va attendre à la porte, etc., c'est un chien qui a un comportement, oui, de manque, mais un comportement normal. Par contre, le chien qui va être prostré sur le fauteuil, qui va pas bouger, c'est un chien qui fait une dépression, il se sent mal, ça veut dire que sans vous, il est perdu, il est fini, il n'existe plus. L'ironie, c'est que ces chiens-là, comme ils détruisent rien à la maison, qu'est-ce qui se passe? On les envoie jamais consulter. Et ces chiens, ils rentrent dans des syndromes de dépression acquise. Donc, la cage, ustensile comme le collier électrique, le collier étrangleur du Moyen-Âge, qui révèle l'ignorance ou la bêtise de ceux qui veulent continuer à perpétuer ces pratiques, la cage, c'est du caca de chien, mais pas celui qui porte bonheur, quoi. La cage, c'est de la voilà. Donc la cage, non, ça sert à rien. Si votre chien a un problème, trouvez la solution au problème. Ne prenez pas un chien pour l'enfermer dans une cage, ça n'a aucun sens. Le chien, c'est un membre de votre famille. Il y a trois exceptions, mais alors je dis bien trois exceptions, où la cage est tolérable. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça qu'on les vend, ces cages, à la base. Hein. Pour moi, on n'a jamais vendu une cage pour qu'elle serve d'abri à un chien chez lui. Les cages, ça sert à quoi? La cage, ça sert à transporter l'animal. En général, il y a des poignées au-dessus de ces trucs-là. C'est parce qu'on doit les transporter pour prendre l'avion, pour ce que tu veux. Bon. La deuxième option, c'est si vous avez plein d'animaux chez vous, hein, et que votre chien, eh bien, il s'est fait opérer ou alors qu'il n'est pas bien et qu'il faut qu'il se rétablisse petit à petit parce qu'il est pas trappe. Alors ouais, une cage pour l'isoler des autres. Mais de toute façon, ça ne doit pas durer éternellement, hein, sinon il en cache chez le vétérinaire. Et c'est ça les raisons de la cage. Ou si vraiment votre chien a un gros problème, mais c'est un tueur d'homme, quoi. Alors là, on met le chien en cage pour éviter qu'il ne mange belle bergère truc, hein, je viens de voir. Mais c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. La cage, ça sert qu'à ça. La cage, ça n'a jamais eu une vertu réconfortante, jamais. Vous avez des chiens névrosés jusqu'à la moelle et vous en êtes fiers. Ben moi, j'aurais honte à votre place, quitte à en fâcher certains. Voilà, je m'excuse, j'étais un peu passionné parce que j'ai tellement vu ça au cours de ma vie et je trouve tellement que c'est barbare et... Enfin bref, voilà. Donc la cage, non, hein, si on résume l'histoire, à part utilisée et conseillée par de réels professionnels, pour l'amour de Dieu, le dressage, ce n'est pas... Enfin c'est un truc, c'est le Moyen-Âge, hein. L'éducation positive, oui, l'éthologie animale, oui, mais toutes les escroqueries, non. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un
pouce bleu. Écrivez-moi un commentaire pour me raconter vos expériences. Partagez, hein, ça c'est vous. Chaque fois que vous voyez un tiche mettre sur un groupe Facebook, « Ouais, mais moi, mon chien à la cage, il kiffe ça trop bien. » Tu attaques, tu lui tapes le lien, qu'il vienne fighter avec moi, il n'y a pas de problème. L'expérience contre l'ignorance, aucun souci, tout ça est appuyé par la science. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout, et dans le respect de leur personne, prenez bien soin de vos poilus.